Salut à tous, eh bien voilà, les trois HQI sont branchés maintenant, ce qui va nous permettre de faire un tour du proprio de ce 2600 litres. Donc on commence par une vie de côté avec 104 cm de large pour rappel, ce qui permet d'avoir un beau recul, permettra au poisson de tourner sans souci. On constate que l'eau est assez limpide, malgré le fait que ça fait que 48 heures que le bac est en eau. On arrive à voir sur la longueur les 3,50 m. Donc c'est pas trop mal, le filtre a l'air performant. Donc ici une petite zone d'un mètre avec la 101 kg et le rejet de 4,500. Une des zones entre guillemets paisibles de l'aquarium. Au centre, la fameuse 180 kg qui permet un bon mouvement d'eau avec toutes ces ouvertures. Côté gauche de l'aquarium, avec sa sortie de 8000, une zone plus brassée, on voit que le sable a déjà pris quelques formes. Bon, un peu de résonance, mais toujours pas mon meuble. Ça sera réglé, je pense, d'ici 15 jours. Donc cette zone est sympathique avec pas mal de cachettes. Une zone où les dominés iront certainement. Bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les pierres à trous, mais voilà le genre d'endroit où on pourra se cacher pour voir les poissons. Donc les pierres sont assez près de la surface ici. C'est assez sympa quand même. Voilà, on va vous permettre de regarder la surface. La descente n'est pas tout à fait réglée, mais elle est très silencieuse malgré tout pour ce type de bac. Bon, l'avantage du bac ouvert aussi, c'est ce genre de vue. J'imagine que par la suite, les poissons brouteront en surface. Avec une vue de dessus, comme ça, c'est vraiment sympa. Donc voilà un peu le visuel avec ces trois HQI. Personnellement, je suis plus que satisfait du résultat. Il ne reste plus qu'à attendre le cyclage du bac, avoir le meuble, les finitions. Et je pense que le spectacle livré est vraiment sympa. Allez, merci à tous. Salut!